Salut les amis, c'est NS55. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc on se retrouve pour un nouveau tuto mécanique. Alors pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo avec la 205 spéciale sans abonné, que j'essaie d'arracher la portière, à un moment donné je dis que j'ai plié la direction de la focus. Et donc c'est pour ça que je fais ce tuto, on va essayer de réparer ça. Donc je vais essayer de vous expliquer comment démonter une rotule de direction. D'ailleurs pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo spéciale 120 abonnés, allez la voir, vous allez dans ma chaîne, playlist, enfin dans mes playlists ou même dans vidéo, normalement elle apparaît en première page. Donc et puis vous pouvez la regarder, mettez un commentaire, si ça vous plaît ou pas, hein, c'est comme vous voulez. Donc voilà, donc avant toute chose, donc, je vais vous expliquer le problème qui se passe sur la focus. Donc elle est ici, hein, bon, tout le monde la connaît, enfin ceux qui regardent sur ma chaîne. Alors là j'ai la roue côté passager, comme vous pouvez le voir, bah, elle est braquée, elle est même bien braquée. Et celle côté conducteur, bah, elle est droite, tout simplement j'en ai une qui dit merde à l'autre. C'est quand j'emboutis la voiture, il s'avère que la biellette de direction qu'on voit ici, normalement on la voit, là on la voit bien ici, bah elle est pliée quoi, vous voyez plus qu'elle a. Donc on va voir que je démonte tout ça avec ouais, et puis je vais essayer de la passer à l'étau pour essayer de redresser le bordel. Donc une fois redressé, bah, je vous montrerai tout ça et puis je pourrai faire de nouvelles vidéos. Mais avant tout, bah, je vais faire un tuto étape par étape de comment changer une biellette de direction et une rotule sur une voiture. C'est très facile pour ceux qui veulent se lancer là-dedans, il faut juste un peu de matériel. Hein. Faut un cric pour lever la voiture, bon le cric de la voiture suffit, hein, je l'ai là. Un cric. Un arrache rotule que je sais même pas où il est, mais il est quelque part ici. Un marteau, enfin 2-3 bricoles. Quoi. Donc là j'ai l'autre caméra qui est en place et on va faire ça tout de suite. Allez c'est parti. Alors c'est parti. Donc la première étape, faut démonter la roue. Alors je vous conseille de démonter et de débloquer les boulons avant de lever la voiture, c'est beaucoup plus simple, sinon vous allez galérer. Bon ça le fait, mais c'est beaucoup plus simple comme ça. Donc vous mettez la clé, bon sur celle-là c'est 17. Donc bon moi il s'avère que la roue n'est pas bloqué spécialement parce que j'aime bien les paires donc je les serre pas. Voilà, donc là elle est débloquée. Ensuite vous placez le cric. Alors le simple cric de la voiture en principe il suffit. Vous la mettez dans l'emplacement prévu à cet effet. Alors le truc c'est que j'ai paumé la clé, c'est sûr, parce qu'on prend une clabougie, ça va la faire. Des parties qui seront accélérées hein, parce que sinon ça va être super long. Un découpage parce que ça va être long. Donc bon, voilà, donc j'ai mis le cric. Donc bon bien sûr je vous conseille de mettre en plus du cric des cales. Vous pouvez mettre soit la roue de la bagnole ou des cales en bois. Donc moi je vais mettre la roue de la voiture, ce sera plus simple. N'allez pas en dessous si vous avez mis que le cric, parce que vous pouvez avoir confiance au cric, c'est. J'en ai eu plusieurs qui ont lâché, bon, on va dire que c'est de la merde. Hein. C'est juste bon pour changer la roue si vous n'allez pas en dessous. Sinon, c'est l'hôpital assuré. Voilà, vous récupérez la roue, vous la balancez en dessous. Pour ceux qui mettent des sandales, évitez de mettre les sandales directement sur la pliure du bas de caisse, parce que vous pouvez être certain que ça va plier. Donc, encore. Bon, moi je fais ça n'importe. Là, ensuite je repose le poids de la voiture sur le bout de bois. Voilà, ça bougera pas. Bon, donc maintenant, on va dépasser un peu le trépied pour voir un peu plus. Donc voilà, là nous avons la rotule de direction. Et là nous avons la biellette, comme je vous ai montré tout à l'heure, qui est vraiment bien tordue. Je ne la voyais même pas autant tordue, j'espère que je vais réussir à la redresser. Donc on va déjà commencer par démonter la rotule de direction. Donc l'étape, on va dire c'est l'étape numéro 3 quasiment. Hein. L'étape 2 c'était caler la voiture pour éviter que je la prenne sur la tronche. Donc a priori ça a l'air d'être du. C'est pas du 16. Hein. Pour ce que c'est comme taille de clé. Ah c'est pas du 16. C'est du 15, j'ai pas de 15 sous la main. Bon, j'en reviens. Bon voilà, j'ai été resserré les clés, donc ça a l'air d'être du 15, ouais, on va essayer de desserrer ça. Donc quand ça veut pas, bah, on double clé. Hein. Attends, parce que j'ai le trépied qui m'emmerde là. 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 Là.
là, bon, bah, elle est débloquée. On pèle le trépied. Là. Donc, on desserre le boulon. Le pire va être de la débloquer. Alors, c'est bien, sur cette rotule-là, on a à l'intérieur de l'écrou, on a quoi mettre une clé Allen. Ça doit être du 6, je pense, une clé Allen de 6, pour éviter que quand on la remonte, bah, que la rotule tourne sur elle-même, quoi. Enfin, qu'elle tourne là à l'intérieur, je veux dire. Sinon, faut mettre un cric en dessous. Si jamais ça vous arrive et vous n'avez pas la position pour mettre la clé Allen, vous mettez un cric en dessous, un deuxième cric, et vous poussez vers le haut. Et en principe, ça va. Surtout si c'est de la rotule neuve. Hein. Si c'est sûr, si c'est la rotule qui est archi usée, comme là, bon, je vais remonter là, je pourrais taper là. J'aurais bien. Donc on va desserrer ça. On va essayer après de la faire sauter. Le pire, ça va avoir la biellette. Ça, c'est pourquoi comment je vais faire. J'ai quand même l'air super bien placé là-haut. Voilà, on va beaucoup de pas de vis. Je crois que le pas de vis de la rotule est un peu morte. Bon, c'est pas grave. Voilà. Bon, donc là on a accès. Alors on va voir qu'est-ce que ça dit. Bon, je vais repasser la caméra pour faire des plates. Attendez, je vais remonter un peu le trépied. Qu'on puisse voir par au-dessus. Voilà. Voilà, comme ça là on la voit. Bon bah elle est ici. Hein. Donc on va essayer de la voir déjà avec cet appareil là. Donc là c'est un arrache rotule bah, normal, hein, comme on trouve chez Cora ou chez Leclerc. On va braquer un peu les roues. Ah bah ça va tout seul, vous voyez c'est pas bloqué. Et non, si vous allez chez Cora, ils vendent un deuxième, ça lui vaut 14 €. C'est un autre système, c'est une espèce de pince qui se serre entre elles avec un écrouche. Du coup, c'est un arrache rotule. Hein. Il va nettement mieux que sur le. Bon, mais ça a été. Donc voilà la suite. Attendez, je replace le machin. Filmer des pièces, c'est plus simple parce que les pièces, faut pas bouger en permanence. Les pièces de monnaie, mais les pièces mécaniques, bah, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, donc là on a la rotule qui est complètement tordue, le bras qui va là-haut, et on va essayer d'avoir ça. Maintenant, l'autre étape qui suit, c'est démonter le petit collier. Donc ça, enfin le collier du soufflet. Ouais, donc on va essayer de démonter ça, il faut une multipatte apparemment, enfin une pince multiprise, hein, pour mettre ici pour faire sauter ce collier, donc je vais chercher ça. Donc voilà, donc j'ai commencé à enlever le collier avec la multipatte qu'on a là. Hein. Bon, je l'ai un peu niqué, mais c'est pas dramatique, je le remettrai quand même. Alors bon, ça c'est simplement un cache anti-poussière. Hein. Ça sert pas à grand chose. Bon, alors maintenant on va essayer de sortir la rotule pour que... Enfin, la... Alors, où est-ce qu'elle est, la direction de la biellette? Ouais, c'est la merde, on va se coucher en dessous, putain. Ouais. Bon, c'est pas tellement... Donc voilà, donc il y a une petite coupure parce que j'ai galéré pour aller démonter le collier qui était au bout là-haut. Donc c'est les colliers en plastique, hein, faut pas s'emmerder, vous prenez le cutter, quick, vous les coupez. Hein. Après vous genre mettez des clés, des rapides, hop, basta, et c'est bon. Ah si, ça fait l'affaire. Enfin, ça fait l'affaire. Vraiment maintenant, en tirant, voilà. Donc on a l'autre partie du caoutchouc. Maintenant ça, vous le tirez, et voilà. Donc maintenant on a ça. Ça c'est l'étape, enfin ça peut être la plus compliquée en fonction des véhicules. Là c'est pas très bien placé donc ça va être légèrement la misère. Donc là comme on peut le voir, on a ici la biellette donc de direction qui est pliée. Au bout il y a la rotule et puis là on a cette petite rotule là qu'il faut desserrer. Donc cette partie là se desserre. Normalement c'est des pas normales, hein. Enfin des pas de vis hein, je veux dire, normalement c'est des pas normales. Donc pour desserrer ça, la meilleure solution c'est la clé à griffe. Donc je vais aller en chercher une et puis je vais essayer de le débloquer. Par contre je sais pas comment je vais placer la clé à griffe. Parce que là, je n'arriverai pas à la passer. Bon, on va essayer. J'ai plusieurs modèles de clé à griffe, on verra bien. Donc, allez hop, on continue. Donc, nouvelle coupure, parce que vous allez chercher le matos. Bon, me revoilà. Bon, bah, j'ai un peu galéré pour avoir la biellette, parce que je pense que Ford, ils n'ont pas prévu que... Pour démonter la biellette, bah, je pense qu'ils veulent enlever peut-être le triangle de rouge, j'en sais rien, mais vu que j'avais pas envie de l'enlever, j'ai sorti la grosse pince.
J'ai réussi à l'avoir, comme vous pouvez le voir, ça se desserre, donc c'est le principal. Bon, il faut forcer un peu, hein, parce que ça tient. Faut imaginer que si ça tenait pas, il y aurait beaucoup d'accidents sur les routes. Vous voyez, c'est simplement un pas de vis comme ça, enfin un simple écrou qui est vissé dans la crémaillère de direction. Donc voilà, donc là on voit bien le pli que j'ai dans la rotule. Donc l'idée maintenant c'est que je redresse ça. Mais avant toute chose, je vais vous expliquer comment on sort la rotule de direction de la biellette. Donc pour ça on va aller dans l'engor. Bon, donc nous voilà dans l'engor. Donc j'ai mis la biellette et la rotule dans l'étau. Donc je vais vous montrer comment débloquer la rotule donc de l'étau. Donc moi, bah, tout simplement, j'utilise la grosse pince à griffe. On met ça autour. Donc, normalement, c'est censé y venir. Ça commence à débloquer. Ça y est. C'est pas très très raide, c'est pas très grippé. Comment des rotules qui sont pas si vieilles. Ouais, quoique, ça tient encore. Voilà. Alors pour aider, vous faire avoir, vous comptez le nombre de pas de vis que vous faites. Pour le para-hélice, hein, vous comptez le nombre de tours de pas de vis que vous faites, tout simplement. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tours. Donc sur la nouvelle, vous faites 14 tours pareil. Alors vous arrivez ici au boulon, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Donc moi, comme on peut voir, bon, le caoutchouc est un peu niqué, mais bon, la rotule est bonne. Hein. Donc maintenant, on va redresser la biellette. Ça va pas être gagnant, on va essayer, sinon on pourra qu'on prenne la presse. Donc on va la mettre dans ce range-là. Et on va bien voir si ça se replie. Je pense que vu que c'est du métal de merde, ça devrait se replier assez facilement. Ça va être en train de se retordre. Ouais, ça se replie. Il faut trouver un tube pour mettre au bout de l'étau, les mecs. Parce que sinon, je ne vais pas y arriver. C'est que c'est solide quand même. Hein. Alors. Or, faut pas de tube, ça me fait chier. Oh, on continue à forcer, c'est pas grave. Voilà. On va presser la biellette de direction. C'est déjà mieux. Il y a encore du pli, mais c'est déjà mieux. On va continuer. C'est la coincée, pas trop comment. Comme ça peut-être, l'écrou qui va faire chier. Si je la tape au marteau, peut-être la taper au marteau. Bon, retorque sur marteau, alors. Pour pas abîmer le pas de vis. Alors le nombre de tours que je disais tout à l'heure, comme ça quand vous remettez la nouvelle, vous faites le même nombre de tours. Parce que les touches n'ont pas la même distance. Bon après si vous avez l'écrou, là normalement il n'y a pas de problème. Voilà, alors on va essayer de la retourner. Bon, donc voilà, on est retourné à la voiture. Donc comme j'avais pu le voir, j'ai réussi à la redresser globalement pas si mal. Donc normalement, j'aurais pouvoir rouler droit, on va dire, parce que là, c'était une catastrophe, ça roulait en frappe. Donc voilà pour le tuto. Je vais pas vous faire la vidéo du remontage, parce que c'est simple, hein, il suffit de refaire l'inverse de ce que vous venez de faire donc pour démonter votre voiture. Juste qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil. Ah oui, si vous n'avez pas la rotule, enfin la biellette de direction à changer, ça veut dire ce niveau ici, parce qu'en principe, ça prend du jeu. Il faut que je bouge le caoutchouc. Voilà, en principe, ça prend du jeu là-dedans. Vous voyez, là, il y a une rotule. En principe, le jeu se fait ici sur les biellettes. Bon, si vous n'avez pas de jeu, ça sert à rien de la changer. Vous changez que la rotule si vous avez du jeu que dans la rotule. Vous n'êtes pas obligé de changer les deux en même temps.
vous en faites un ou l'autre. Donc pour changer la rotule, bah, c'est pareil, hein, sauf au lieu de desserrer là-haut, vous la desserrez là tout de suite sur la voiture. Par contre, vous mettez une pince sur l'axe ici, sur la biellette, sinon ça va tourner. Ça va tourner ici. C'est tout ce qui est compliqué, on va dire vraiment. Le reste, c'est assez simple, vous avez pu le voir. Donc, attendez, je remets la caméra. Voilà. Donc, je vous dis, voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez vous abonner, car le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à faire un like ou à partager, ça me fera plaisir. Surtout que c'est gratuit. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Moi, je vais remonter ce tas de ferraille. Et voilà, donc allez, salut les amis.